We're going to take our Bible tonight. Je crois que chacun de vous va très bien. I believe each of you will do okay. Je bénis le Seigneur qui nous a gardé. I bless the Lord who kept us safe. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Let's take our Bible. Dans Marc chapitre 11. In the book of Mark chapter 11. Et nous allons lire dans à partir du verset 22. And we'll be reading from the verse 27. Si vous voulez bien, à partir du verset 20. Or if we want from the verse 20. Et après, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 44 au 45e verset. And also Luke chapter 4 to the verse 24 to 45. Marc chapitre 11, verset 20, 22. Chapter 11, verse 20 to 27. Vous êtes? Are you there? La parole dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withdrawn from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. Have faith in God, Jesus answered. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart and believe that even so will happen. Nous allons prendre Luc chapitre 1, verset 44 et 45 verset. Also the book of Luke, chapter 2. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'air accomplies. Amen. Amen. Luc 1, 44 au 45 verset. Thank you. Je vais relire si vous voulez. Vous voyez, les faits sont en internet. Luc chapitre 1 verset 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'air accomplies. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir. Lord God Almighty, we thank you tonight. Et chaque fois que nous venons ici, nous avons la conviction que nous venons devant la face de Dieu. Et tu es capable, notre Seigneur, de nous parler afin de nous faire avancer dans la marche. And you are able to talk to us to make you move into the walk. Cette église est la vôtre et ce peuple est le vôtre. That church is yours and the people yours. Alors bénis chacun d'entre nous. Don't bless each of us. Donne-nous un bon moment où nous allons t'honorer toi le Dieu Tout-Puissant. Give us a good moment where we're going to worship you the mighty God. Et fais vivifier la parole dans notre cœur. And make weaken the word into our hearts. Donne
donne à chacun une onction spéciale. Give to each special anointing. L'onction de la révélation. The anointing of revelation. Afin que chacun ait l'autorité infaillible. So each may have the infallible authority. Afin de vaincre toute puissance de l'ennemi dans sa vie. In order to overpower each puissance of the enemy in his life. Je crois que toi, le Seigneur Jésus, I believe that you, the Lord Jesus, tu nous soutiendrais, Seigneur. You will support us, Lord. Et tu donnerais à chacun de tes enfants. And you will give to each of the children. Selon le désir de leur cœur. According to the desire of the heart. Fortifie ceux qui sont faibles. Strengthen the weak. Et manifeste pendant leur vie. And manifest thyself into their lives. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you much. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Le frère Smith, que le Seigneur vous bénisse. Brother Smith, may the Lord bless you. Et nous vous souhaitons un bon retour. And we greet you a nice welcome. Amen. Amen. Je ne sais pas qui souhaiterait le bon retour à l'autre. C'est toi qui me souhaites ou bien c'est moi qui te souhaite? I do not know welcoming the other, you or me. Moi, je te souhaite parce que je suis venu avant toi. I'm walking because I came first. Alléluia. Amen. Alors, ce soir. Then tonight. Nous voulons aborder quelque chose d'autre. We want to talk something else. Et nous parlerons, ou bien nous allons enseigner ce jour ici. And we'll be teaching those coming days. Sur la foi parfaite. Open the perfect faith. La foi parfaite. Perfect faith. Frère Branham dit dans la brochure La foi parfaite, paragraphe 39. What Abraham say into the book that perfect faith into paragraph 39. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. I want you now to understand this. Nous, trois points. Us, three points. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. The church shall stand into the mighty of God. Frère Branham dit, Brother Branham said, Frère Branham veut que son église comprenne ceci. Brother Branham wants his church to understand this. Et il a dit, il veut que l'église s'élève. He said he wants the church to stand up dans la puissance de Dieu. Into the mighty of God. Nous sommes trop près de la fin maintenant. We are too close of the end now. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. I believe the state is ready to receive the teaching of deeper things. Le prophète Branham a regardé. The prophet Branham looked. Il a vu que nous sommes presque à la fin. And he saw that you are almost at the end. Nous sommes proches du départ. We are close to the departure. Et le saint prophète de Dieu a jugé bon de donner à l'église les enseignements des choses un peu plus profondes. And the holy prophet of God judged good to give the church deeper things. Amen. Amen. Et il dit et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. And he said to make out a leader of those so-called beliefs. Afin d'entrer dans quelque chose de réel. In order to enter into something real. Voyez-vous? Don't you see? Ça doit être quelque chose que vous savez. It should be something that you have. Le temps est tellement approché. Time is so close. Le temps est tellement proche. Time is so close. Et nous sommes proches de la fin maintenant. And we are near to the end now. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. I believe the church can receive things deeper. Et d'en faire sortir un peu de cette soi-disante croyance. And make out those so-called beliefs. Afin d'entrer dans quelque chose de réel. In order to enter into something real. Vous voyez? Don't you see? Voyez-vous? Don't you see? Ça doit être quelque chose que vous savez. It should be something that you have. Fait sortir. To make out. La soi-disant croyance. The so-called belief. Une croyance vraiment qui n'a pas de position. A belief who has no stand. Une croyance qui tremble.
Et believe through trembling. On doit faire sortir ça. We should make it out. On doit faire sortir ça de l'église. We should make it out of the church. Afin que l'église puisse avoir des assises. So the church may have some stand. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? C'est ce que nous essaierons de faire. That's what we're trying to do. Et le prophète Branham dit. And the prophet Branham said. Nous avons vu la fois passée. As we said last time. Nous étions en train de parler sur un sujet très capital. We were talking about the main topic. L'ange de Dieu et ses manifestations. The angel of God and his manifestations. Et je voudrais, à partir de ce que nous avons vu, and our life from what we have seen, vous faire comprendre selon l'Écriture que nous n'adorons pas un mythe. Make you understand that we do not worship a myth. Donc nous venons ici. So we come here. Non pour adorer quelque chose que nous ne connaissons pas. Not to worship something that we do not know. Parce que Jésus a dit. Because Jesus said. À la femme samaritaine. To the Samaritan woman. Que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. That you do worship something that you do not know. Parce que le salut vient des Juifs. Because salvation comes through the Jews. Et si aujourd'hui le Dieu que nous adorons. And if today the God that we worship. Différent de Dieu des Juifs. It's different from the God of the Jews. Et lorsque je parle de Dieu des Juifs, when I'm talking about the God of the Jews, je fais d'abord allusion à Abraham qui est le père de la foi. I'm alluding to Abraham who's the father of the faith. Si notre Dieu, if our God, que nous adorons aujourd'hui, that we worship today, est différent, is different, du Dieu d'Abraham, of God normal, du Dieu d'Isaac, of God Isaac, du Dieu de Jacob, the God of Jacob, alors nous n'adorons pas Dieu. Then we do not worship God. Amen. Don't you say amen? Parce que le salut vient des Juifs. Our salvation comes through the Jews. L'adoration vient des Juifs. The worshiping comes through the Jews. Notre Dieu, our God, est différent. Is different. Le Dieu des apôtres, the God of the apostles. Alors vous êtes les idolâtres. Then you are idolaters. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée. That's why I told you last time. Nous essayons de constituer Dieu. That we try building. Afin de connaître cet être que nous adorons. In order to know the being that we worship. Et nous avons lu par la Bible. And we say through the Bible. Qui est notre manuel de référence. Which is our user guide. Que Dieu a une tête. That God has a head. Dieu a des bras. God has arms. Dieu a des pieds. God got legs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Et nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12. And we'll read in 1 Peter, la Bible nous montre là-bas que Dieu a des yeux. The Bible shows that God got eyes. Et que Dieu aussi a des oreilles. And that he also got ears. Revenons un tout petit peu s'il vous plaît. Let's come back a little please. Ça pourrait aider ceux qui n'étaient pas la fois passée. It can help those who were not there last time. Ce sont des choses très importantes. There are very important things. Jusqu'à présent, il y a même des gens qui ne connaissent pas qui est Dieu. Until present, the people do not get to know who's God. Et nous ne sommes pas des philosophes. And we are not philosophers. Qui adorent un Dieu qui est mort. Worshipping a dead God. Notre Dieu n'est pas mort. Our God is not dead. Il est vivant. He is alive. Est-ce que vous croyez à cela? Don't you believe it? Les gens ont essayé une fois de le mettre au tombeau. People try once to put you on the grave. Le tombeau dit que moi je ne peux pas te garder ici. The grave say I cannot keep you here. Parce que tu as dit détruisez ce corps. Because you say destroy his body. Je détruisais ce temple. And destroy this temple. Et en 3 jours je vais le reconstituer. Within 3 days I will build it back. Donc, avant que le troisième jour n'arrive. So before the third day comes. Pour que ta parole, ta prophétie soit vraie. So your prophecy may be. Je veux que tu sors du tombeau. I want you to get out of the grave. Et il est sorti du tombeau. And he went out of the grave. Pour prouver que ce qu'il a dit est vrai. To prove that what you said is true. Il l'a dit dans 1 Pierre chapitre 3. The Bible says in 1 Peter chapter 3. Au verset 12, la Bible dit. To the verse 12, the Bible says. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. God, the eyes of the Lord are upon the righteousness. Et ses oreilles sont attentives à notre prière. And his ears attentive to our prayer. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. But the face of the Lord is against those who do evil. Dans ce verset, dans cette écriture, into that scripture, nous voyons le Seigneur avec les yeux.
We see the Lord with eyes. Nous voyons le Seigneur avec les oreilles. We see the Lord with ears. Et nous voyons le Seigneur avec la face. And we see the Lord with a face. Est-ce qu'on peut dire amen? Can we say amen? Et dans Apocalypse chapitre 10. And with Revelation chapter 10. Lorsque nous lisons là-bas, la Bible dit. When we read there, the Bible says. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Then I saw another mighty angel coming down from the heaven. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. He was robed into a cloud with a rainbow above his head. Et son visage était comme le soleil. And his face was like the sun. Et frère Madame dit que cet ange qui descend dans Apocalypse 10, c'est Jésus-Christ lui-même. And Brother Paul said the angel coming in Revelation 10 is Jesus Christ himself. C'est Dieu. It's God. Qui descend dans Apocalypse 10. Coming now into Revelation 10. Vous voyez dans Apocalypse 5. You see into Revelation 5. Il était sur le trône. He was upon the throne. Et la Bible dit qu'il est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. And the Bible says it's worthy to take the book and open the seal. Au ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était dit. In heaven, under earth, no one was worthy. Et Jean a pleuré parce que personne n'était digne. And John wept because no one was worthy. Mais un ancien a dit à Jean, ne pleure pas. As an elder, tell to John, do not worry. Voici le lion de tribu de Judas. Hear the lion of the tribe of Judah. Le rejeton de David. The offspring of David. Il a prévalu. He prevailed. Pour prendre le livre. To take the book. Et d'ouvrir le sceau. And open up the seal. Et lorsque Jean regardait. And when John looked. On l'est devant le lion comme l'ancien a dit. Instead of taking the book, said Jean, Jean a vu un agneau qui était immolé. John said, et frère Balaam dit, cet agneau sortait de l'éternité. That man came out of eternity. Avec le sang des blessures partout dans son corps. With the wounded blood upon his body. En d'autres termes, il vient de livrer la bataille. In other words, he just had to fight. Oh, cet agneau n'était pas mort. Oh, he was not dead. L'agneau a eu des blessures. And he had a wound. Mais il était vivant. But he was alive. Il sortait du trône. And he went out of the throne. Il sortait du trône du Père. He came off the throne of the Father. Et il venait pour prendre le livre. And he was coming to take et frère Balaam dit, the Balaam ne pensez pas qu'il y avait un homme qui était assis sur le trône. Do not think there was a man sitting on the throne. Et qu'il y avait un lion. And they had a lion. Et qu'il y avait un agneau. And they had a lamb. Si vous remarquez bien, if you notice carefully, l'agneau est venu pour prendre le livre. The lamb came to take the book. Des mains de celui qui était assis sur le trône. The same the one who was sitting on the throne. Donc vous pouvez comprendre. So you can understand. En lisant la Bible sans révélation. By reading the Bible with no revelation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était assis. It was someone sitting. C'est comme s'il y avait un agneau qui venait prendre le livre. And the lamb would come to take the book. Oh, naturellement l'agneau n'a pas de main. Though naturally the lamb has no heart. S'il vient prendre le livre. If he comes to take the book. C'est qu'il n'a pas de part. It means he has no food. C'est qu'il a la main. It means he has a hand. Parce qu'avec la pâte, il ne peut pas prendre le livre. Because with the leg, he cannot take the book. Donc cet agneau-là, that leg, c'est juste le symbole. It's only a symbol. De l'homme qui est humble, qui a l'humilité. Of an humble man who got humility. Et pour vous qui aimez la parole, and for you loving je vous dis ce soir, I'm telling you tonight, que le lion, that the lion, c'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. En tant que le roi, as the king, l'agneau, the lamb, c'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. En tant que sacrifice, as a sacrifice. Et celui qui était assis sur le trône, and the one sitting upon the throne, c'est Dieu. It was God. En tant que l'Éternel, as the Lord. En soi, Dieu était en train de jouer une pièce théâtrale. Itself, God was playing a theater. Il change seulement de forme. Only changing his form. Mais ce n'est pas un autre Dieu. But it's not another God. C'est le même Dieu. It's the same God. Est-ce que l'Église peut dire un amen à cela? Can the church say amen to alors, this? Dans Apocalypse 10, so in Revelation 10, dans Apocalypse 5, in Revelation 5, il cherchait un homme qui est digne. He was seeking a wealthy man. Frère Branham dit, Jacob Michael était digne. What the Bible said, Michael was worthy. Gabriel était dit. Gabriel was worthy. Le séraphin était dit. And so was the seraphim. Mais cette demande. On ne cherchait pas un ange. Not seeking an angel. On cherchait un parent rédempteur. Seeking a kinsman redeemer. Et le parent rédempteur de l'homme. And a man kinsman redeemer.
c'est Dieu. Is God. C'est lui qui a sauvé l'homme. The one who saved the c'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jesus Christ is God. C'est une même personne. It's the very same person. Donc, dans Apocalypse 6, in Revelation 6, nous le voyons prendre le livre. We see him taking the book. Nous le voyons ouvrir le sceau. We can see him opening the seal. Il a ouvert le premier sceau. He opened up the first seal. Le deuxième sceau. The second seal. Le troisième sceau. The third seal. Le quatrième sceau. The fourth seal. Le cinquième sceau. Le sixième saut. Et quand on arrive au septième saut, quand il a brisé le septième saut, c'était un silence. It was a silence. Et il a ouvert les sept sauts au ciel. And he opened the seventh seal in heaven. Mais la révélation des sept sauts ne doivent pas rester au ciel. In c'est l'homme qui était tombé. It's the man who fell qui a besoin de la révélation des sept sauts. Afin de revenir dans la position qu'il avait perdue. C'est pourquoi le septième saut ramène l'homme à la position perdue. Bring back the man to the lost position. En d'autres termes, restaure dans l'homme l'autorité infaillible. Si vous ne comprenez pas changer de forme, if you cannot understand, le septième sceau ramène l'homme à redevenir Dieu. The seventh seal bring back the man to becoming God. Ce qu'il était au commencement. What he was at the beginning. Et lui donne le pouvoir. And give him the power. De contrôler. Of controlling. La nature. The nature. Comme c'est la fille au commencement. As he was at the beginning. Donc il descend. So he comes down. Pour remettre le livre de la rédemption à l'homme qu'il a perdu. To give the redemption book to the man who lost. Et frère Branham a dit. And brother Branham said. Dans la prêche entre les âges et les sceaux. Into the book of the priest between the edges of the sea. À partir du paragraphe 41. From the paragraph 41. Frère Branham dit. Brother Branham said. Une fois que les sceaux sont ouverts. Once the seal are open. Une fois que les sceaux sont brisés. Once the seal are broken. C'est là que l'ange descend. That's where the angel comes down. Christ. Christ. Qui pose un pied sur la terre. On earth. Un pied sur la mer. Et souvenez-vous. And remember. Le septième ange. The second angel. Est sur la terre. Au moment de cette venue. To the time that's coming. Où le septième saut. The seventh seal. Est brisé au temps de la fin. Is broken to the end time. Pendant que Branham est sur la terre. Lorsque le livre est totalement ouvert, the book is totally open. Alors c'est lui qui était assis sur le trône. C'est lui qui était Dieu. The one who was God. C'est lui qui était l'agneau. The one who was the lamb. Tout au long des âges. During all the ages. À la fin des âges. The end of the ages. Il ne sera plus agneau. He won't be lamb anymore. Parce qu'il n'y aura plus le rachat. Because he won't have any redemption. Alors il change de forme. And he changes pour devenir le lion. Le juge, le roi, the king, le chef, the chief, l'époux, the bridegroom, l'ange puissant, the mighty angel. Alors il descend, and he comes down, avec un livre ouvert, with an open book. Et c'est madame Dieu, and what the bottom said, pendant qu'il descend comme ça, where was the shining, le septième ange, the seven angel, William Mario Branham, William Marion Branham, est sur la terre, is upon the earth. Pour accueillir le livre. For welcoming the book. Et Dieu donne le livre à frère Branham. And God gave the book to brother Branham. Je vais vous dire pour que vous compreniez ces choses. I want you to understand those things. Ce livre là. That book. Que Dieu donne à frère Branham. That God gave to brother Branham. C'est la divinité. Is the deity. Parce que le livre c'est la parole. Because the book is the word. Dieu est la parole. God is the word. Dieu est la divinité. God is a deity. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. That's not the baptism of the Holy Ghost. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même. That's the Holy Ghost himself. Il descend. He comes down. Et il dit à frère Branham. And turn to brother Branham. Sous forme de type. Under the form of time. De Jean. Of John. Prends le livre. Take the book. Avant. And swallow it. Oh, le livre, c'est Dieu. No, the book is God. Quand il prend le livre. The book. Il avale and swallow it. Il avale Dieu. He swallowed God.
God. C'est pourquoi Ézéchiel, quand il a avalé le rouleau, il a avalé la divinité. Lorsque frère Branham a avalé la parole, il a avalé Dieu. Je n'entends pas les alléluia. Je n'entends pas gloire à Dieu. Alors Dieu, alléluia. Il devient comme ce grand, cette grande baleine qui avait avalé Jonas. Et il ne doit pas garder Jonas pour toujours. And he shall not keep Jonah forever. Il doit vomir Jonas. He shall throw Jonas. Parce que Jonas a un message. Jonah got the message pour les gens de Babylone, les gens de Ninive. For the people of Nineveh. C'est pourquoi, that's why, lorsque la nuit est descendue, même si les gens ne le croient pas, la nuit est véritablement descendue. Ce n'est pas un mythe. It's not a myth. C'est une réalité. C'est Branham dit, dans le septième jour, quand il est descendu, il m'a pris et il m'a fait introduire dedans. Voilà Jonas dans le ventre du gros poisson. Lorsqu'il est rentré là-bas, le détenteur du septième sceau, qui est Dieu lui-même, est venu remettre à Frère Branham le septième sceau. C'est pourquoi Frère Branham a dit, il y avait sept anges, mais les six anges ne m'ont pas impressionné. J'étais impressionné dans le septième ange qui était le détenteur du septième sceau. Il est venu vers moi. Et le prophète dit, il était en train d'épeler quelque chose. Je crois qu'il appelait l'épouse. Parce que c'est le septième sceau. Il attire l'épouse. Il n'y a pas de main. Après avoir avalé le messager, comme la grosse baleine a avalé Jonas, il est venu le vomir. Il a dit à Frère Branham, ainsi dit le Seigneur, le mystère caché de la Bible vous sera révélé dans le sceau. Retourne à Jeffersonville. Et Frère Branham a dit, dans la posture, rendre service à Dieu en donnant sa propre volonté. À partir du paragraphe 85, 75 en 85, from the paragraph 75 to 85, de cette grande colonne de feu, he said that great pillar of fire, que la science a pris la photo, the picture, 48 kilomètres, 48 kilometers, le prophète dit, the prophet said, lorsqu'il m'a laissé, when he left me, j'ai appelé trois frères qui étaient avec moi, I called on three brothers with me, le frère Softman, brother Softman, le frère, un autre frère, and another one, William Branham dit, je les ai liés par un serment. William Branham said, I bound them through an oath. Que les choses qu'ils viennent de voir, that the things they just seen, ils ne doivent pas dire ça à quelqu'un. They shall not tell them to someone. Jusqu'à ce que j'aie fini de parler au peuple. Until I was done talking to the people. Et moi, je crois ceci. And I believe this. C'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 16. Exactly what's happening to Matthew 16. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Jesus took Peter, James and John. Et Branham a pris trois témoins. But Branham took three witnesses. Jésus est arrivé sur la montagne. Une nuée l'a environné. Je vais entendre votre amen. Non, je n'ai pas entendu les amens. Apportez-moi la brochure, le lever du soleil, c'est juste sur la table. Ils sont fraîches. Ils sont fraîches. Ils sont difficiles à croire. Ils sont difficiles à believe.
And I don't take care about consequences. Si les gens vont nous critiquer, ils n'ont qu'à critiquer. If the people want to criticize them, let them criticize. Mais si c'est vraiment Branham qui parle. But if it's Brother Branham talking, c'est lui qui rejette la marque de la bête. The one rejecting God, the mark of the beast. Maintenant, vous êtes prêts pour avaler ça? Are you ready to swallow it? Si la montagne de transfiguration. Dans la nuée environnée Jésus. When the clouds around Jesus. Et la nuée a dit. And the clouds said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This one is my beloved son. À qui j'ai mis toute mon affection. To whom I put all my affection. Et Frère Branham dit. And Brother Branham. Cette nuée. That cloud. Qui a parlé sur la montagne de la transpiration. Talk to me about the transpiration. N'est pas quelque chose qui est venu du ciel. It's not something coming up from the heavens. La nuée était dans Jésus. But the plan for the cloud was in Jesus. Et cela est sorti et l'a environné et a parlé. And it came out to render him and talk. Je n'entends pas des amens. I can't hear amen. Maintenant dans la bouche le lever du soleil. Now within the book of the rising of the sun. Et Branham dit, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé là-bas. But the plan, I'm going to tell you exactly what happened. Et je ne ferai que répéter le prophète. And I will only repeat the prophet. Mais avant d'y arriver là-bas. But before getting there. En attendant que le frère Roger nous apporte la brochure. When he brought up with the book red bar. Je voudrais vraiment lire le prophète. I will truly read the prophet. Ça commence à donner les frissons sur la foi des gens. It started giving frissons upon people's faith. Vous devez croire. That you should believe. Qui peut dire amen à ça? Who can say amen that? C'est la foi parfaite. It's a perfect faith. La foi qui ne bouge pas. Faith does not move. Vous le croyez? Don't you believe? Ok, nous commençons d'abord doucement, malembe, malembe. Let's start slowly. Avec Dieu dévoilé. With God revealed. Paragraphe 175. Paragraphe 175. Mais avant d'y arriver là-bas. But before getting there. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ces choses. Do not know how you're going to understand those things. Laissez-moi d'abord vous mettre d'abord quelque chose comme. Let me first warm you up. Le prophète dit. The prophet said. Que l'onction. That the anointing. C'est une personne. It's a person. Vous croyez ça? Don't you believe it? Il dit l'onction. I say the anointing. Est une personne. It's a person. Amen. C'est quelle personne? It's what personality? It's Christ. C'est l'ange puissant. He's a mighty angel. Attendez, je vais trouver ça quelque part ici. Wait for, I'm going to seek that. Dans la brochure, Dieu dévoilé, je crois. Within the booklet, God revealed, I believe. Je voudrais prendre ça d'abord comme base. I would like to take it as a basement. La brochure, c'est bon? Ah, ok. En tout cas, dis à celui qui est à tes côtés, peut serrer la ceinture, frère. Don't tell the one close to you to buckle up. Il y a des fois, il faut prêcher des choses. Sometimes you should preach things. Ils sont durs à croire. What's that? Tough to believe. Et Frère Branham dit, c'est pour tester le niveau du peuple. And Brother Branham said to test the level of the people. Dans la brochure, Dieu dévoilait paragraphe 186. Within the booklet, God revealed paragraph 186. Frère Branham dit, l'onction est une personne. Brother Branham said, the anointing is a person. Le mot Christ veut dire. The word Christ means. Quelqu'un qui est oint. Someone who's been anointed. Voyez-vous? Don't you see? Le oint. The anointed one. Alors Moïse était Christ à son époque. Then Moses was Christ to his time. Il était le oint. He was the anointed one. Il était le oint. Il était le oint. Alors Moïse était Christ à son époque. Alors Moïse était Christ à son époque. Jérémie était Christ à son époque. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Frère Branham dit. Votre Branham said. Remarquez maintenant. Notice now. Le voile de la chair humaine. The veil of the human flesh. La parole. The word. Promise. Promise. Pour cet âge. For this very age. Doit aussi être voilé. Shall also be veiled. Amen. La parole. The word. Promise. Promise. Et cet âge. Of his age. Qui est Christ. Which is Christ. Amen. La parole promise. The promise word. Et cet âge. Of his age. Qui est Christ. Which is Christ. Doit être
être voilé de la même manière. Shall also be veiled to the same way. Et frère Branham dit les pécheurs et les membres d'église, the sinner and the church member, qui aiment le péché, would like the sin, ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Cannot see what it is. À cause du voile humain. Because of the human veil. Hein? Amen. Je peux continuer? Can I move forward? Moïse disait, Moses used to say, le Seigneur l'a dit, the Lord has said, et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit, and the Lord had precisely did what he said, ce qui prouvait que c'était vrai. That's proving it was true. Maintenant il a dit, now you see, maintenant Moïse tu comprends, now Moses you understand, les gens comprennent maintenant. People understand now. Tu vois, you see, je t'ai présenté, I presented you, je t'ai confirmé, I confirm you, Dieu, God, s'était voilé dans ce prophète. There himself within as prophet. Amen. Paragraphe 178 de la brochure, Dieu dévoilé. Dieu s'était voilé dans son prophète. Dieu s'est dévoilé dans ce prophète. God veiled himself within as prophet. Pour adresser sa parole aux gens. To address his word to the people. Moïse, Moses, était le Dieu vivant pour eux. Was the living God for them. Amen. Dites à celui qui a porté la foi parfaite. Tell the one God to you the perfect faith. Est-ce que Dieu, when God, s'était voilé, had veiled himself, dans Moïse, within Moses, William Branham dit, William Branham said, Moïse est devenu le Dieu vivant pour eux. Moses became the living God for them. Amen. 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 La parole, the word, vivant de Dieu, living of God, manifesté, manifesté. C'est pour cette raison que son visage était voilé. That's why his face was veiled. Et frère Branham dit, and Brother Branham said, Moïse était le voile. Moses was the veil. La parole vivante de Dieu voilée derrière une chair humaine. The living God, word of God fell into the human. Cette parole voilée, if that's fair, ce n'était pas les écrits. That's not the scripture. Parce que la parole vivante, that's a living word. Ce n'est pas l'écriture. It's not the scripture. La parole vivante, c'est la colonne de feu. The living word is a pillar of fire. Lorsque la Bible dit, when the Bible says, au commencement était la parole, to the beginning was the word. Ce n'est pas au commencement était la Bible. It's not the beginning was the Bible. Parce que la Bible a été écrite par des gens. The Bible been written by people. C'est pas la Bible, la parole. But the Bible said qui était au commencement, who was in the beginning, qui était Dieu, who was God, qui a fait toutes choses, who created all things, qui était fait chair, who has been made flesh. C'est la colonne de feu. It's the pillar of fire. Ça quittait le ciel. He left the heaven. Ça descendait. And descended. Jusqu'à devenir homme. Until becoming a man. Et ça quittait la terre. And he left the earth. Ça montait. And was going up. Jusqu'à devenir Dieu. Until becoming God. Amen. De la même manière qu'il est descendu. To the same way he came down. Il est remonté de la même manière. He went back up the same way. Je ne sais pas si on peut dire amen. I don't know if you can say amen. Et Franham dit donc la parole. About the Bible said then the word. La parole a été donnée. The word has been given. Ensuite elle a été écrite. Then it's been written down. Ensuite elle a été cachée. Then it's been hiding. Et elle est encore voilée. And it is still veiled. Car Dieu, because God, a toujours été dans cette parole. Always been within that word. Dieu, God, a toujours été, has always been, dans cette parole. Branham dit amen. But the Bible says amen. Il est la parole. Il est la parole. He is the word. Toujours. Always. Il était dans cette parole. He was into that word. C'est pour cette raison que cette parole devait être voilée. That the reason why the word should be veiled. Ce n'est pas encore terminé. It's not over yet. Branham dit. But the Branham said. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine. Notice now the veil of the human flesh. La parole promise pour cet âge-ci. The promised word for that age. Doit
doit aussi être voilé. Shall also be veiled. De la même manière. To the same way. On peut dire amen à cela. Say amen to this. Et Frère Manam dit. And what the Manam said. Dieu, d'abord Dieu était apparu à Moïse. First God appeared unto Moses. Paragraphe 162. Paragraph 162. Dieu était d'abord apparu à Moïse. God first appeared unto Moses. Dans un buisson ardent. Within a burning bush. Dieu était voilé dans la colonne de feu. God been veiling to the pillar of fire. Maintenant soyez très attentifs là. Now pay attention. Pendant un instant. For a moment. D'abord Dieu. First God. Quand il est venu à Moïse. When he came unto Moses. Il était voilé. He been veiled. Dieu était dans une colonne de feu. Then he went to the pillar of fire. Caché dans un buisson. Hiding into the bush. Voyez-vous? Don't you see? Comme derrière le pot. As behind the back. Voyez-vous là-bas au propitiatoire? Don't you see there to the atonement? À l'autel. At the altar. Voyez? You see? Il était voilé. Et il est toujours voilé. And he still is. Et quand il est venu à Moïse, and when he came unto Moses, il était dans une colonne de feu. He was within a pillar of fire. Voilé, voilé dans la colonne de feu. Veiled within a pillar of fire. Mais ici devant les gens, but here in front of people, Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu. God, when he came to that same pillar of fire. Voyez, Moïse a dit, see, Moses said, maintenant regardez bien. Now look closely. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? L'Assemblée dit amen. Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Quel frère, quel prophète? Il dit, pouvez-vous que celui qui a des oreilles entende? Alors, frère Madame continue, dit, quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu. Quand il l'a appelé à son ministère, Moïse est venu le dire aux gens. Et ils ne pouvaient pas le croire. And they could not believe it. Et pourtant, il avait fait des miracles. Though he had made miracles. Et tout. And everything. Mais cette fois, but that time, c'est visiblement. Visiblement, scientifiquement, qu'il est apparu et qu'il a confirmé le ministère de Moïse. Scientifiquement, bibliquement, cette fois-ci, il a confirmé le ministère de Moïse. Comme quoi c'était le même Dieu qui lui avait parlé. Il est apparu sous la forme de la colonne de feu. Et a embrasé la montagne. Put the mountain on fire. Elle était venue à Moïse dans un buisson. Et lui avait parlé. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, God appeared to Moses, c'était dans un buisson ardent. Was into a burning bush. Le voile the devant les gens. In front of people, Dieu était encore voilé. God was still there. Et il a confirmé Moïse par le voile. And if he came to Moses to the en ce voile-là. Même feu. By fell into the same fire. Maintenant, comme on a dit, now what the Bible said, nous devons aller trop loin. We should go further. Et bon, si je veux que vous allez loin. And I want you to go also further. Nous devons évoluer loin, loin, loin. We should go far, far, far away. Mais avec les citations. But with quotations. Est-ce qu'on peut dire amen? Can we say amen? Continue ici. And what about move forward here? Et nous commençons à rentrer dans ce qui est dur à avaler. We started entering something hard to swallow. Frère Manam dit, but the Bible said, paragraph 281. Paragraph 281. Il dit ceci. He said this. Moi j'aime cela. I like it. Et il dit. Tout le monde vient toujours me voir en disant Frère Branham. Everybody comes see me by saying Brother Branham. Bon, laissons tomber ça. Let that aside. Avançons dans autre chose. Frère Manam dit, what the Manam said, 281. To anyone, comme il l'était dans Moïse, as he was unto Moses, quand la parole était dans Moïse, when the word was unto Moses, il était Dieu en chair, it was God in flesh, quand elle était dans Jésus, when he was unto Jesus, c'était Dieu en chair, it was God in flesh. Vous voyez? Don't you see? Tout ce qu'il a fait, everything he has done, c'est de changer son masque, was changing his mask, c'est de changer seulement le corps, was changing only the body, de changer seulement le masque, changing only the mask, par sa parole, to his word,
par sa nature. By his nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He is the same yesterday, today and forever. Il a seulement changé de forme. He has only changed the form. Il est passé de Noé à Moïse. He passed from Noah to Moses. Dieu. God est passé de la forme de Noé, passed by the form of Noah, à la forme de Moïse, to the form of Moses, à la forme de Jérémie, to the form of Jeremiah. Il a changé seulement de forme. He changed only form. Il est passé de Noé à Moïse. He passed from Noah to Moses. Il est passé de Moïse à David. He passed from Moses to David. Il est passé de David à Joseph. He passed David to Joseph. Et ainsi de suite. And so forth. Jusqu'à ce qu'il vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Until we come to the fullness of the bodily deity. Et nous avançons toujours dans la révélation. And we move forward into revelation. Et pensez-y. And think about it. La même colonne de feu. The same pillar of fire. Qui est descendu sur ces hommes qui ont écrit la Bible. Descending upon the men who write down the Bible. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui. It's the same pillar of fire which is here today. En train d'interpréter la Bible. In interpreting the Bible. La même colonne de feu. The same pillar of fire. Qui est descendu sur Moïse. To Moses, écrit l'Ancien Testament, right et descendu sur Paul, où écrit le Nouveau Testament, right Testament. Et madame, pensez-y, la même colonne de feu, the same pillar of fire, qui est descendu sur ces hommes, who came down upon that qui ont écrit la Bible, right down the Bible, c'est la même colonne de feu, the same pillar of fire, qui est ici aujourd'hui, which is here today. En train d'interpréter la Bible. Interpreting the Bible. Frère Branham dit Amen. Say, Amen. Comme nous l'en remercions. We thank him. La même. The same. Consolation. Which consolation? Quelle identification? What identification? Je suis tellement heureux. I am so happy. Être identifié à cela. Being identified to this. Je ne sais pas quoi faire. I do not know what to do. Je préfère être identifié à cela. I prefer being identified to this. Plutôt qu'avec tous les baptistes, les méthodistes, les prébitériens et les luthériens. Otherwise, the Baptist, Methodist, and the Lutherans. Et tous les autres. And holy. Identifié à cette parole. To be identified to that room. Où se trouve la gloire de Shekinah. Where is the glory of Shekinah? Et la révélation. And the revelation. La parole. The word. Le message. The message. Frère Branham. The brother Branham. Voilà Dieu. Veil God. Et c'est là où se trouve la révélation. And that's where the revelation. La colonne de feu. But the problem is the pillar of fire. Qui apparaît visiblement au milieu de nous. Which appear visible in the midst of us. Identifie le message comme vrai. Identify the message has been true. Tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. I said it did upon the mont Sinaï. Souvenez-vous. Remember. Avant que le message véritable. Is the true message. Soit à pas apporté. Moïse avait prêché. Moses said, et il les avait conduits hors de l'Égypte. And he led them out of Egypt. Mais là, but there, avant que les vrais commandements, if the true commandment, soient prescrits, be prescribed. Frère Branham met entre parenthèses avant que les sceaux soient apportés. But the Branham put between bracket before the sheaf is brought. Frère Branham prend les sept sceaux. So Brother Branham takes the seven seals. Il compare ça aux dix commandements. And compare to the ten commandments. Mais avant que les dix commandements. But before the ten commandments. Ne soient remis à Moïse pour le peuple. Come to Moses for the people. Le peuple n'était plus en Égypte. The people was not in Egypt. Le peuple était déjà sorti de l'Égypte avant que les sept sceaux nous soient révélés. Nous ne devons plus être dans les organisations. Nous devons sortir déjà de la dénomination et prendre
nous sommes en train de marcher, as we were walking, ce que je vous donne là est plus que la vision. What I'm telling you is more than a vision. C'est plus qu'un parler en langue. It's more than a speculum tongue. Non, la parole. The word. Malachika. Malachi 4. Nous a fait sortir de la dénomination. Brought us out of the denomination. Comme Moïse. As Moses. A fait sortir le peuple de l'Égypte. The people from Egypt. William Branham nous a fait sortir des organisations. William Branham brought us from organization. Maintenant, en cours du chemin. Now on the way. Avant d'entrer dans la plénitude des promesses. Before entering within the fullness of the promise. Moses. A rencontré la colonne de feu. Met the pillar of fire. A rencontré Dieu. Met God. Et Dieu est descendu. And God is sur le mont Sinaï. Upon the mont Sinaï. Où la montagne était en feu. Where the mountain was on fire. Et c'était le moment que Dieu donnait à Moïse les 10 commandements. There was a time God gave the 10 commandments. Et aujourd'hui. And today. Sur le mont Saint-Sainte-Montagne. Upon the mountain, mountain. Dieu. God. Est descendu. Descended. Dans la colonne de feu. Pour donner à William Branham l'ouverture de sort qui est comparable aux 10 commandements. Pourquoi la Bible dit dans Malachi 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horreur. Pour tout Israël, les ordonnances, les ordonnances et les lois. Après Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi Dieu doit-il nous emmener nous à nous en souvenir? Et ce qui s'est passé avec Moïse sur le mont Sinaï, c'est parce que la chose the thing va se répéter going to repeat itself de la même manière to the same way sur une autre montagne. Je ne sais pas si on peut dire amen. I don't know if you can say amen. L'autre fois c'était en Orient. But the time we went to the east. Et ici c'est en Occident. Here is to the west. Comme la lumière. As the light. Comme l'éclair. As the star. Va de l'Orient. Go to the west. Vers l'Occident. To the east. Ici on sera l'avènement. We will see the coming. Du Fils de l'homme. As the son of man. Et ce bonhomme dit. And what the bonhomme say. Depuis 3 ans. Since 3 years. Cette chose était une prophétie. Was a prophecy. Et maintenant, and now, c'est de l'histoire. It's story. Amen. 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 Je n'ai pas entendu. I haven't heard. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit. Bonjour, Bonhomme sait. Mais avant que les vrais commandements soient prescrits. But before the true commandment be prescribed. Entre parenthèses, que les 7 choses soient apportées. Between brackets, that the 7 seals be brought forth. Dieu est descendu devant les gens. God came down in front of people. Et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. And proved that Moses would be sent by him. Et lorsque Frère Bonhomme fait une comparaison. And when Frère Bonhomme make a comparison. Et sa vie. And his life. C'est pour nous montrer que c'est le même événement. It's to show us that it's the same event. Comprenez un peu ceci. Understand this. Il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. He proved Moses has been sent by him. Dans une colonne de feu. Within a pillar of fire. Moïse avait dit avoir vu dans un buisson. That Moses said having seen into the bush. Et qui lui avait parlé. That the bush talked to him. Oh, oh my! En ces derniers jours, in those latter days, voir cette même colonne de feu, see that same pillar of fire, en plein là au milieu de nous, in fullness in the midst of us. Suivez bien, qui prononce la même parole? Father, prononcing the same word. Non seulement ça, not only that, mais qui l'interprète? But interprète that. En la manifestant, by manifesting it, et en prouvant quelle est la vérité. By proving that is the truth. Cette même
colonne de feu. That same pillar of fire. Prononçant ce message. Prononcing this message. Comment il va prononcer le message? How is going to pronounce the message? Alors là-bas sur le mont Sinaï. Then upon the mount Sinai. Lorsqu'il est descendu. When he descended. Devant le peuple. In front of the people. Il a commencé à parler. And he started to speak. Le peuple a dit, oh. The people say, wait a minute. Que Dieu, let go. Ne nous parle pas. Not speak to us anymore. Sinon nous allons mourir. Though we're gonna die. Que Dieu, let go. Parle à Moïse. Talk to Moses. Et que Moïse, and let Moses. S'interprète ce que Dieu a dit. Interpret for us what God has said. Et frère Branham dit. And what the Branham said. Dieu, God. Then himself within Moses pour donner les 10 commandements. To give him the 10 commandments. Écoutez, ô Israël. Listen, O Israel. Votre Dieu est unique. Your God is alone. Vous n'aurez pas un autre Dieu. You will not have another God. Devant ma face. In front of my face. Quand nous regardons. So when we look. Moïse qui parle. It's Moses talking. Moïse, mais à l'intérieur de Moïse. But inside of Moses. Il y a Dieu. You got God. Voilà les choses qui pardonnent vos péchés. They are things forgiving your sin. Et c'est là où se trouve l'expiation. That's where you find the quotation. L'expiation parfaite. The perfect atonement. C'est là où se trouve votre délivrance. That's where dwells your delivery. Parce que quand ces choses sont prêchées. Because when those things got preached. Et que vous le croyez. And you believe it. Dieu vous change. God change you. Voilà les choses qui brisent les liens. They are the things breaking the bonds. Frère Branham a dit. That's where what the Bible says. La révélation. The revelation. De la parole. Of the word. D'une importance capitale. What a man importance. Amen. Et aujourd'hui. And today. Frère Branham dit. What the Branham say. Oh. Oh my. En ces derniers jours. In those latter days. De voir cette même colonne de feu. See that same pillar of fire. En plein là au milieu de nous. In the fullness in the midst of us. Prononce la même parole. Prononcing the same word. Et frère Branham nous dit. And what about Jesus? Au travers de tous les âges. Through all the ages. Dieu a toujours été voilé. God always has been veiled. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire alléluia. I don't know if someone can say hallelujah. Si vous ne pouvez pas croire ça. If you cannot believe it. Ce qui va arriver là. What's going to come next? Vous ne croirez pas. You won't believe it at all. Je peux prêcher? Can I preach? Paragraphe 314. Dieu ne voit le frère Branham dit. 414, Brother Branham said. Mais Dieu. But God. Est encore là. Is still there. Pour produire cela. To produce it. Quand même. Anyhow, remarquez. Notice. Qu'est-ce qui se produit? What's producing? Il finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originelle. Finish up taking again the form of the original seed. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther. Then God came upon the form of Martin Luther. Dieu. God. Est venu. Came. Sous la forme. Under the form. De Martin Luther. Of Martin Luther. Pour sortir le peuple du catholicisme. To get out the people of the Catholicism. Et on l'a appelé la justification. And we call it justification. Et frère Branham dit. And what the Branham say? Oh. Oh my. Et qu'il est venu sous la forme de John Wesley. And he came upon the form of John Wesley. Qu'on l'a appelé la sanctification. He been called sanctification. Et Dieu est venu sous la forme de la Pentecôte. And God came upon the form of the Pentecost. On l'a appelé la restauration de dons. He been called restoration of gifts. Il doit se révéler de nouveau. He should reveal himself again. Comme cette même semence qui avait été mise à terre. As the same seed be put on the ground. Le Fils de l'homme. The Son of Man. Il s'est révélé comme Fils de Dieu. He revealed himself as Son of God. Au long des âges l'a dit. During the ages of the Bible. Et tout. And everything. Mais en ces derniers âges. But in this latter age. Il doit se révéler de nouveau. He should reveal himself again. Comme Fils de l'homme. As Son of Man. Frère Branham dit. But the Branham said.
de comme fils de l'homme. As son of man. Frère Branham dit, vous, est-ce que vous le saisissez? Brother Branham said, you, do you seize it? Très bien, au commencement. Then, to the beginning. Il a façonné. He made it. Mais en ce jour, but to this day, il doit revenir. He should come back. Comme fils de l'homme. As son of man. Et fils de l'homme. And son of man. C'est Dieu dans la chair. Is God into the flesh. Révélant les secrets de cœur. Revealing the secret of the heart. Et pourquoi Frère Branham dit? That's why what the Branham said. Dans la brochure originale. Into the booklet, the original. Et ce n'est pas que l'homme soit Dieu. It's not that the man become God. Mais le don est Dieu. But the gift is God. Maintenant, le pasteur Bosengo trace la ligne de la démarcation. Now, Pastor Bosengo drawing the line of demarcation. Vous ne pouvez pas séparer le don de l'homme. You cannot separate the gift from the man. Amen. Parce que sans l'homme, le don n'opère pas. Because without the man, the gift cannot work. Et sans le don, l'homme n'opère pas. And without the gift, the man cannot work also. Il faut que les deux soient un. Both shall be one. Et Dieu. And God. Est la parole. Is the word. Dieu est le Saint-Esprit. God is the Holy Ghost. Vous ne pouvez pas séparer Dieu du Saint-Esprit. You cannot separate God from the Holy Ghost. Maintenant, nous avançons. Now we're moving forward. Et je veux que vous attrapez votre ceinture de sécurité. And I want you to buckle up. Je ne sais pas si vous allez croire. I don't know if you're gonna believe in it. Je peux? Can I? Vous allez croire. You're gonna believe. Ok, Frère Branham. Then, Brother Branham said. 362, Dieu dévoile. God revealed, paragraph 362. Cette colonne de feu. That pillar of fire. Visible. Visible. Qui a été prouvé par la science. Been proved by the science. Il y a bien des années. Many years ago. Quand j'étais un petit garçon. When I was a young boy. Elle m'a parlé et m'a dit. He talked to me and said. Que j'allais vivre ici même. That I'm gonna live here. Et ce qui allait se produire. And what's going to happen. Je vous en ai parlé. I talked to you about it. Et puis elle. And it. 3 points. 3 points. Un jour, one day, à la rivière, at the river, avant le début de ce ministère, before the beginning of that ministry, lors du premier réveil, during the first revival, il est apparu dans les cieux. He appeared into the heaven. Il s'est identifié. He identified himself. Et a donné la commission. And gave the commission. Pendant toutes ces années, during all these years, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. I hold it secret into my heart. C'est ce virage que j'avais peur. That's the turn that I was afraid of. Mais je ne vois aucune réaction négative. But I see no negative reaction. Ça veut dire que vous avalez ça. It means that you swallow it. Recommençons. Let's start over. Cette colonne de feu visible. That's pillar of fire that you can see. Qui a été prouvé par la science. Which been proved by the science. Il y a bien des années quand j'étais un petit garçon. Many years ago when I was a young boy. Elle m'a parlé. He talked to me. Il m'a dit que j'allais vivre ici même. Tell me that I'll be living here. Et ce qui allait se produire. And what's going to happen. Je vous en ai parlé. I talked to you about it. Et puis elle, 3 points. And in 3 points. Un jour. One day. La rivière. At the river. Avant le début de ce ministère. Before the beginning of his ministry. Lors du premier réveil. During the first revival. Il est apparu dans les cieux. He appeared upon the heaven. Il s'est identifié. And he identified himself. Et a donné la commission. And gave the commission. Pendant toutes ces années. During all these years. J'ai tenu cela caché dans mon cœur. I hold this secret into my heart. Je peux continuer? Can I move forward? Voilà Christ. Here is Christ. La même colonne de feu. The same pillar of fire. Qui interprète la parole. Interpreting the word. Tel que promis. As promised. Disons ça 33. 1933. Voilà les choses
qui contribue à votre foi. Here are things contributing to your faith. C'est pourquoi frère Branham dit qu'on doit amener l'église, enseigner à l'église des choses plus profondes. That's why Brother Branham said we should teach the church deeper things. 1933. Sur la rivière Oyo. Open the river Oyo. Pendant que frère Branham baptisait. While Brother Branham been baptizing. La colonne de feu descendue. The pillar of fire descended. Il a dit comme j'ai envoyé Jean Baptiste. And he said, as I've sent John the Baptist. Avec un message pour préparer ma première venue. With a message to prepare my first coming. Je t'envoie avec un message. I'm sending you with a message. Préparer ma seconde venue. To prepare my second coming. Now, frère Branham dit. Now, what the Branham said. Là-bas, la rivière. That up onto the river Hoyo. Elle m'a donné la commission. That he gave me the commission. Et pendant toutes ces années. And during all these years. Amen. J'ai tenu cela caché dans mon cœur. I hold it secret into my heart. Voilà Christ. Verily Christ. La même colonne de feu. The same pillar of fire. Qui interprète la parole telle que promis. Which is interpreting the word as promised. C'est le prophète. He is the prophet. Amen. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. Voilà le moment que la colonne de feu a quitté les dénominations. Here the time the pillar of fire left the denomination. Ce n'est plus avec Luther. It's not with Luther anymore. Ce n'est plus avec Wesley. It's not with Wesley anymore. Ce n'est plus avec tous les autres. It's not with the remaining. Maintenant, c'est une nouvelle heure. Now it's a new hour. C'est l'heure de l'épouse. It's the hour of the bride. Nous avons une chère première. But we have a first child. Qui est William Marion Branham. Which is William Marion Branham. Pourquoi Branham dit? That's why Brother Branham said. La colonne de feu. That pillar of fire. Est en train de se retirer de Luther, de Wesley et les autres. They will try from Luther, Wesley and the others. Et il y a des hommes qui marchent avec elle. And there are men walking along with her. Nous sommes en route pour la terre promise. We are on the way to the promised land. Maintenant. Now. Il y a des gens. There are people. Qui marchent avec elle. Walking along with her. Lorsque frère Branham. So when Brother Branham. Est entré en scène. Entering action. Dès qu'il est né. As soon as we're born. Yeah.
printing the word pour nous. For us. And he saw the sword of the king. Et maintenant, il doit partir en Arizona. And now he should go to Arizona. Selon la pochette, ce quelle est-il? According to the booklet, sir, what time is it? Pour aller prendre l'interprétation de la vision de Johnny, de Jackson.
to go and take the vision, the interpretation of the vision for Jackson. Maintenant, Frère Branham dit. Now, but the Branham said. Plus tard, later on, les anges apparurent comme il avait été annoncé dans la prophétie. The angel appeared the way it had been said into the prophecy. Et les anges apparurent. And the angel appeared. Comme cela avait été annoncé. The way it had been said. Mais Frère Branham dit, et en même temps. And what the Bible said, at the same time. Une grande masse de lumière. A great blast of light. S'éleva de l'endroit où je me trouvais. Raised from the place I was standing. C'est-à-dire. Mais cette lumière sort de la terre. That's light coming from the ground. Et ça monte pour aller rencontrer les anges. And coming up to meet the angel. Amen. La foi parfaite. Perfect faith. Je veux voir si vous croyez les choses. I want to see if you believe in. Excusez-moi, docteur. Bien posé de porte. Comment les épices? Plus tard, later on, les anges apparaissent comme il avait été annoncé dans la prophétie. The angel appeared the way it was said into the prophecy. Et en même temps, and at the same time, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. A great mass of light stood up from the place I was standing. Jusqu'à une altitude de 30,000. Donc, 48,27 kilomètres. Until a height of 48 kilometers. Dans les airs. In the air. En forme de cercle. Forming circle. Comme les ailes des anges. As the wings of the angels. Et dessinant dans le ciel une sorte de pyramide. And drawing in heaven a kind of pyramid. Formé par cette constellation d'anges qui était apparu. Formed by the constellation of angels who appeared. Voilà, s'il vous plaît. La science. La science a photographié cela sur tous les parcours. Science take a picture upon all the way long. Depuis Mexique, since, alors qu'elle s'est déployée depuis le nord de l'Arizona. Since Mexico was standing to north Arizona. Là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrais. Where the Holy Ghost said I'll be standing. À environ 64,36 kilomètres. About 74,36 kilometers long. Au nord-est de Tucson. To the northeast of Tucson. Et cela s'éleva dans le air. And it stood up into the air. Et le magazine Life. And the magazine Life. En a publié des photos. Published pictures. Disant qu'il s'agissait de quelque chose de mystérieux. Saying we're talking about something mysterious. Loin dans les sphères célestes. Way into the heavenly places. Et là où il ne peut y avoir ni humidité, ni aucune évaporation. Where it can have no humidity or spreading of air. Elle était haute. It was earth. De 42,27 kilomètres. Of 42,24 kilometers. Et large de 27 et large de 43,44 kilomètres. And wide for 43,8 kilometers. Elle est montée directement de l'endroit où. And it's still straight for the place where. Elle est montée directement de l'endroit où s'étaient tenus ses anges. It went straight directly from the place where the angels stand. Dites amen. Say amen. Elle est montée. She went out. Directement de la bourse. Straight from the place where the angel was standing. Nous commençons à comprendre cette chose. Let us start understanding something. Il y a des anges qui sont venus. The angel came. Il y a la lumière qui est montée. And hold on, went out. Amen. Hein? Yes, sir. La lumière qui est montée là-bas. The cloud who went up there. C'est-à-dire les anges. Mean the angel. Came down. La lumière. And the light. Que Frère Branham a tenu secret caché. That's all the Branham held secret hiding. Elle montait exactement de l'endroit où il s'était pour aller rencontrer les anges. Was exactly the place he was standing to go and meet the angel. Amen. Et les deux se sont croisés. And both met. Et
Quand les deux se sont croisés, and one both met, ils ont pris le corps qui a caché la lumière. They took the body to hide the light. Ils l'ont amené là-bas. And they took him inside. Amen. Après, after, ils sont venus le déposer. They went and laid him back. C'est-à-dire, mais le temps de frère Branham avec ça est terminé. But the Branham time of it is over. Maintenant, now, cette lumière, that's light, doit entrer en vous. Shall enter within you. Non, je n'ai pas entendu votre amen. I haven't heard your amen. C'est pourquoi votre prophète dit. That's why your prophet said. La brochure question et réponse sur les Hébreux. To the booklet question answer upon the. Troisième partie, frère Branham dit. Third part, what the Bible said. Au paragraphe 852. Paragraph 852. Mais cette lumière sacrée. But that sacred light. Se trouve dans vos cœurs maintenant même. It's dwelling within your heart at the very moment. C'est où? What is it? Dans vos cœurs. Within your heart. Votre prophète dit. So your prophet said. Même si je mourrais ce soir. Even if I die tonight. Je n'ai rien à faire avec la colonne de feu. I've got nothing to do with the fire. Elle est dans l'église. It is in the church. Et elle est avec chacun de vous. It is with each of you. Voilà la chose qui vous défend. Here the cause is defending us. Si vous m'avez compris. If you understood me. Dormez en paix. Sleep in peace. Marchez en paix. Walk in peace. Travaillez en paix. Walk in peace. C'est tout ce que vous voulez en paix. Do anything you want in peace. Aussi longtemps que ce message. And time of that message. Cette parole. That word. Est dans votre cœur. Is within your heart. Je ne peux pas vous livrer. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Soyez silencieux. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silencieux. Si vous avez compris ce que je dis, Dieu avec Branham, Dieu avec maintenant les pouces, et il doit chevaucher avec nous. Jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Et le champ du départ. C'est pourquoi Paul a dit. Dans 1 Thessaloniciens 4. Dieu Paul vous a dit. Paul said, et ce qui concerne les morts. Ne vous effrayez pas. Car le Seigneur lui-même. A ainsi donné. À la voix de l'archange. Au son de la trompette. Descendra du ciel. Et les morts en Christ retiendra premièrement. Et vous, les vivants, aïe aïe aïe, vous serez tous enlevés dans les nuées. Je parle, n'a jamais dit. Et vous serez enlevé dans la nuée. Into the cloud. Paul a dit, vous serez enlevé dans les nuées. Into the cloud. Dans les nuées. Into the cloud. De la même manière. The same way. Que cette nuée est rentrée dans Daniel. Lorsque le conseil communique de l'époque of the time, a mis la pression sur Daniel pour l'adoration de la statue. Of the statue. Daniel a dit non. Daniel said no. Et c'est mon âme dit les épreuves de Daniel, Daniel test. Les épreuves de Shadrach, Shadrach test. C'est pour nous la persécution. Persécution. Alors le troisième poule, vous le servez. Qu'est-ce que le troisième poule? C'est déjà la chose qui est en vous. Il va seulement se matérialiser. Et ils ont voulu toucher en Daniel. Lorsque le lion venait pour vous faire Daniel, c'est problème dit. C'est à l'eau de lumière qui était en Daniel. Est sorti. Et l'a environné. Lorsque le lion. Yeah. Aurait
nourriture. Ça, c'est Dieu de la chair. Et pour stripper l'évangile, ces choses vous élèvent. Ces choses tracent la différence. Entre le faux frère du message et la véritable épouse du message. Je ne peux pas me cacher maintenant. Vous devez être content d'avoir un frère face à quatre. Je suis planté ici pour votre perfection. Et celui qui ne sera nulle part à celui de faire faillira. Et Dieu va le quitter. Je brise le feu. C'est pourquoi vous avez besoin d'un véritable ministère qui peut apporter, qui peut amener la colonne de feu en vous. Je sais que vous le sentez. Je sais que vous avez déjà une relation avec lui. Quelque chose de plus haut. Il y a quelqu'un qui te parle. Il y a quelqu'un qui te conduit. Il y a un être surnaturel qui est entré en vous. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu former ton image. Il te ramène au commencement. Comme c'est la colonne de feu qui avait créé Ish. Qui avait créé Ish. Cette même colonne de feu est revenue aujourd'hui. Est entrée en vous. Sous forme du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de créer votre positif. Et maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le positif. Ah, laissez-moi prêcher. Même si vous ne dites pas, mais moi je vais avancer. Pendant que je prêche, en vous, ma soeur, il y a déjà le ministère de la translation. Il y a quelque chose qui vous change. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, souvent maintenant, à la dernière trompette. Et ce programme dit, cette dernière trompette sonnera en même temps que le cinquième ange donne son message et que les cieux sont ouverts. Est-ce que les cieux sont ouverts? Que le septième ange a donné le message. La dernière trompette a sonné. Vous êtes dans le changement. Vous êtes dans la translation. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes dans la résurrection spirituelle. Maintenant, la chose que nous attendons, c'est le départ. De la terre, il faut que le conseil communique, mettre la pression sur l'épouse. Alors, observez ce que vous avez déjà avalé. C'est ça, Dieu. Vous ne le connaissez pas encore. Le bébé est encore embryonnaire. Mais la grossesse est déjà là. C'est pourquoi Branham me dit, vous êtes tous enceintes. Et lorsqu'une femme est enceinte, when a woman is pregnant, Branham nous dit, but the Branham tells us, mais la science dit, and the science said, son col, that body, est fermé. It's been closed. Toute autre chose. Everything else ne peut plus vous féconder. Cannot fecund you anymore. Je peux tous vous prendre et je vous amène dans l'église catholique, ça ne rentrera pas. I cannot take you to the Catholic Church. You will not enter.
Je peux vous prendre tous. Je vous amène dans les églises de prophétie. Où il n'y a pas la parole. C'est le mal tout comme ça, le tremblement de peur. Nous voulons la prophétie accompagnée de la parole. Le diable Satan peut entrer dans les prophéties et emballer toute une église. Alors que c'est Satan qui est dans l'église. Mais le diable ne peut pas emballer la parole. C'est pourquoi celui qui a la chair doit être une véritable sentinelle. Il doit veiller sur la qualité de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça qui vous amènera au ciel. Je suis fier que tout le temps vous serez changé. Et le changement est dans le message. Parce que Dieu est bien imprégné dans le message de l'heure. Frère, brother, le diable est en retard. The devil is late. Il ne peut plus prendre un frère ou une sœur et l'amener dans le monde pour toujours. Cannot take a brother or sister, take him in the world forever. À l'intérieur, tu auras toujours un appel à retourner. Inside, you still have a call to come back. La plus grande erreur que tu peux croire, que tu peux commettre, c'est de croire d'abord le message. The greatest mistake is believing the message. C'est une vérité qu'on ne peut pas enlever. It's the truth that we cannot remove. C'est ancré là-bas sous sol. It's anchored and anchored over there. Ça ne fera que reproduire. It only will reproduce. Même si l'incrédulité vous emporte. Even if unbelief carry you away. Balaam dit l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Balaam said unbelief will not stop God. Même si le péché vous emporte. He said even a sin carry you. Un jour, one day. What angel? Tu diras toi-même. God will say, ça, ce n'est pas ma nature. That's not my nature. Je dois retourner à la maison. Soyez assis. Avant notre départ, l'église là n'aura plus de place à mettre les gens. Tout retrograde. Retrograde. Reviendra. We'll come back. Amen. 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 Est-ce que vous mangez bien? Are you eating well? Je peux assaisonner ou bien je peux pimenter. Do you want to spice it again? Il ne faut pas vomir. Hein? Do not throw up after. Frère. Brother. C'est ça qu'on appelle le message. That's what we call the message. On ne fait pas de balades dans les Écritures. Hein? We do not make walk into the Scriptures. Positionnez les gens. Position people. Prends le fils de l'homme. Take the son of man. Donne au peuple. And give unto the people. Frère. Brother. Le péché va quitter. The sin going to leave. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's why Brother Branham said. Le diable peut imiter tous les dons. The devil can imitate all the gifts. Mais le diable ne peut pas apporter mot à mot ce message. But the devil cannot prove word by word this message. C'est pourquoi aujourd'hui. That's why today, l'ange du Seigneur, the angel of the Lord, est dans le message. He is into the message. Oh, vous savez que je suis amoureux de vos amen. You know I am in love with your amen. Et quand je les écoute, ça me donne un peu d'inquiétude. When I don't listen to them, I got a little worry. Dieu peut-il habiter dans l'homme? Oui. God can dwell into the man? Yes. Amen. On n'a pas besoin de petite foi. We do not need small faith. Oh non, papa frère, attention. Oh brother, Dieu ne peut pas habiter dans l'homme. God cannot dwell into the man. Il faut juste une portion là. We just need a small portion. La portion là c'est quoi? What is it that portion? C'est quoi? What is it? Frère Malam dit Dieu n'a pas de petite partie faible. But the Bible says God has no weak spot. Ni de grandes parties fortes. Neither great strong parts. Soit c'est Dieu. Either is God. Soit c'est rien. God is not. Y a pas d'amen? Don't you say amen?
Même Paul. Even Paul. Le messager du premier âge. What's the messenger of the first age? Il dit à son église. Say unto his church. Je veux que vous y arriviez à la plénitude de Dieu. I want you to reach to the fullness of God. Et frère Branham dit dans la bouche de Dieu se cache et se réveille dans la simplicité. And brother Branham said to the book that God had revealed to simplicity. Paragraphe 174. Paragraph 174. Frère Branham dit. Brother Branham said. Alors qu'il n'avait pas pu y arriver au moyen d'une formation militaire, il parle de Moïse ni de l'instruction. Though we're talking about Moses, the book of instruction. Ni d'une formation scientifique. Not of a scientific training. Ni de forces armées. Neither of the army forces. Il n'avait pas pu y arriver. And he couldn't get there. Mais Dieu lui a donné un vieux bâton noué du désert. But God gave him an old staff from the wilderness. Et il est arrivé avec cela. And he carried with it. Dieu dans l'humilité. God into humility. Dans la simplicité. Into simplicity. Dieu était et dans le bâton. Et dans Moïse. God was both into the staff and within Moses. Et tant que Moïse tenait le bâton, c'est donc Dieu qui le tenait. And as long as Moses was holding the staff, was God standing him. Parce que Dieu était en Moïse. Because God was within Moses. Sans discussion. With no arguing. Il dit que Dieu s'est caché dans un paysan, dans un villageois comme Moïse. Seeing that God was hiding into a pagan in the villages like Moses. Dieu. God. Dans un villageois appelé Élie. Within a wilderness called Elijah. Et frère Branham dit. But the Branham said. Élie dans une année brossait les dents 6 mois. Elijah into a year was brushing his teeth 6 months. Et les autres 6 mois il est en consécration. And the other 6 months was in dedication. Amen. Si Dieu disait que la sœur tu prends Élie, il dit ah non là c'est pas bon, comment ça procède dans le. And if God said to sister take Elijah as a husband, sister will say that's good, don't take another one. Il doit se consacrer comme ça pour libérer Israël. He shall get dedicated to free Israel. Et suivez bien dans le temps de décision. Frère Branham dit ceci. And follow in the time of decision, Brother Branham said this. Paragraphe 58. Paragraph 58. Élisée quand il fut assuré que l'ange le précéderait. When Elijah was assured that the angel would precede him. Il a pu alors décider de partir. Then he took the decision to go. Parce qu'il avait quelque chose qui le soutiendrait. Because he had something who will sustain him. Et je pense que cela devrait être l'assurance de chaque homme de Dieu. And I think it should be the assurance of each man of God. Qui prêche l'Évangile. Preaching the gospel. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Knowing will be something sure for the share of God to support what is preaching. On a plus besoin de prédicateurs du prêcha. We do not need preacher of talking. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Oh, j'ai été initié, mais je n'ai rien vu. I've been initiated, I see nothing. Dans le message, into the message, on a pris les gens qui ont été initiés qui n'ont rien vu. We don't need people being initiated, see nothing. Vous êtes initié au message, tu dois voir quelque chose. You've been initiated to the message, you should see something. Il n'y a pas d'amen? Don't you say amen? Là, le bois sacré, tu peux manger et ne pas voir. Now you can take the sacred wood, eat and not see. Mais dans le message, quand tu avales ça, tu verras. But within the message, when you swallow, you're going to see. Ici, dans le message, frère madame, ça ne rate pas. In Brother Branham's message, you can miss. Vous avez vu? You say. Vous avez vu le sang? You've seen the message. Et vous avez mangé la chair du Fils de l'homme? And you ate the flesh of the Son. Véritablement initié. Truly initiated. Tu rencontreras l'ange. You will meet the angel. Et dès que tu es connecté à l'ange. And as soon as you get connected to the angel. Chaque membre de famille, chaque personne qui te combattait au courant. Each family member will get to know it. Il dira que tu es dans la magie. We'll tell you that you are into magic. Quelqu'un dit que le pasteur Moussengo est dans la magie. Someone said Pastor Moussengo is into magic. Pasteur du message. Pastor of the message. Il m'appelle magicien. And I call myself a magician. Je dis comment ça? How come? Magicien. Magician. Avec ce message. With that message. Vous associez la magie. You associate the magic. Et tu deviendras fou. Then you're gonna become crazy. Ça c'est Dieu lui-même. That's God himself. Soit tu continues avec la magie, tu laisses le message. You go with the message, let the magic. Soit tu prends le message, tu laisses la magie. Or you take the message and forsake the magic. La semence et la balle ne se mélangent pas. The seed and the shot, they're not joined together.
dit, what Abraham said, si vous n'en avez pas frère, if you have a brother, c'est pour vous. It's for you. Dieu envoie encore ses hommes. God still sending his men. Avec un ange qui les précède quand ils se mettent à porter le message à l'église. With an angel going ahead when they preach the gospel. Dieu, God, envoie ses hommes. Send his angel avec un ange. With an angel qui les précède. Who is going ahead? Quand ils se mettent à apporter le message, when they come and bring in the message, il est ici. He is here. Tu vois, il servait, disait le pasteur, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné, pasteur. C'est ça, c'est le pasteur, c'est son film, astonish me. Pendant qu'on dit qu'on attend le pasteur va venir du bureau. Oh, we said that we expecting the pastor coming to our office. La sœur dit que je dormais pas, je regardais comment le pasteur va sortir. The sister said while sleeping was waiting the pastor to come. Quand le pasteur sort, when the pastor came out, c'est un autre pasteur Moussang qui vient. It's another pastor Moussang coming up. Et quand je regarde derrière, and when I look behind, je vois le pasteur Moussang. I see pastor Moussang. Quand je regarde à côté, when I look my side, un autre pasteur Moussang. Another pastor Moussang. Mais c'est pas possible. Qui est le vrai entre les deux? I say it's not possible. Which is the truth between both? C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce en Guinée équatoriale. That's why he made mercy in Equatorial Guinea. Les deux Moussengo soient photographes. That pastor Moussengo will be photographed. Oh, mais vous êtes les hommes les plus privilégiés de la terre. You are the privileged people of the earth. C'est la preuve que Dieu vous aime. That's the proof that God loves you. On doit être fier de ça. And we should be proud of it. Que les gens parlent, que les gens critiquent, on s'en fout d'eux. Frère Branham dit quand un homme est réellement né de nouveau, said, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir, die, et l'autre du ciel pour partir. And the other from heaven to go. Cette écriture, that scripture, vous l'avez vu, you've seen it. Être photographié. Photographe. Nous sommes fiers. We proud. Il n'y a pas de mal à cela. Pas croyable, mes amis. The great old messenger. Personne. No one. Ne peut vous tuer. Can kill you. Même si vous dormez avec un mari sorcier. Even if you sleep with a witchcraft husband. Quand il veut bouger. He can move. Tu lui tiens. Tell him. Remain calm. Il faut le dire. Tell him, remain calm. Ce que tu vois là, what you see there, ce n'est pas ce que tu penses. It's not what you think of. Va inviter les femmes qui n'ont pas Dieu. Go and bewitch women who are not God. Moi, je suis initié. But I am initiated. Oh, l'église a dit alléluia. Let the church alléluia. Prenez votre belle-mère, votre beau-père. Faites-le dormir à la maison. Take your father and brother in law, make him sleep at home. La maison est sous contrôle. The house is under control. Qu'est-ce que nous avons reçu? What we have received. Qu'est-ce que nous avons vu en ce jour? What right to this people? Quel privilège! What a privilege! Un Dieu puissant. That's a mighty God. De vous coller un âme. To take you an angel. Dieu vous a collé un âme. God's take you an angel. Mes soeurs, my sister, du Togo, du Bénin, from Togo, from Bénin, n'ayez pas peur, do not be afraid. Votre Dieu est plus que, you are more than, le vaudou. Vaudou. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. Lorsque tu étais païen, when you were a pagan, on ne vous a pas mangé. We have not been eaten. Maintenant, now, oh my, si bouche il passe, if you move, you die. Celui qui va toucher, Dieu le frappe. The one who's gonna move, God's gonna strike it. Sois calme. Remain calm. Maintenant, je vais vous scandaliser un peu. I'm gonna scandalize you. Dieu ne vient que par un homme. God is not like a man. Amen. Un homme qui a croisé Dieu, it's a man who met God, pour amener ce Dieu aux autres. Who take that God to the others. Je comprends. Pourquoi il m'avait dit, je t'enverrai au loin vers les païens. I will send you at far toward the pagan. Vous voulez vous connaître pourquoi? You want to know why? C'est
préparé pour que je vous donne Dieu. Your husband. Va manger d'autres femmes. Go and eat other women. Pas toi. Not you. Initiez jusqu'au saut. Initiate till the boat. Bougez, vous passez. You move, you die. Pensez que moi, on va me manger comme un chien. You think you're gonna be eating like a dog? Et moi, je suis pas un mouton. I am not a cow. Je ne serai pas passé par les élections. You won't be passed. Pour que votre oncle gagne la députation, ce n'est pas toi qui ne va passer. S'il essaye le chou. If you try, it's gonna fail. Moi, je ne suis pas là pour aller faire les campagnes électorales des sénateurs et des délégués pour les gens. Non, pas moi. So allez, tout de ça, ton frère, pas moi. It's not me. D'ailleurs, nous ne sommes plus de leur famille. No, we don't belong to the family anymore. Mon frère, ils n'ont qu'à manger les gens de leur propre famille. Nous appartenons à la famille de Jésus. Et la famille de Jésus, c'est la famille des immangeables. Parce que nous-mêmes, on mange le Fils de l'homme. Vous pensez que c'est facile à quelqu'un de me manger? Je dors en paix. I sleep in peace. Un sorcier veut faire l'atterrissage chez toi, il va rater l'atterrissage. And we should go through my land, he's gonna miss the landing. On va le trouver à Québec, le bien cassé. He's gonna be from the end of the broken leg. Amen. À Franceville, la semaine était dit. At Franceville, last week. Un homme est venu à l'église même. A man come to the church. Il a rencontré les soeurs. He want to meet the sister. Et votre pasteur est comment? I say, how is your pastor? Il dort pas. He does not sleep. Comment ça? How come? Toutes les nuits. All the nights. Il est toujours éveillé. He's still awake. Il dit, va lui dormir. Va lui dire, moi je dors bien. I say, go and tell him I sleep well. C'est lui qui fait sur moi là. C'est celui qui ne sommeille pas. Vous pensez que quand on connaît, c'est l'éternel des armées. C'est ça. That is. Amen. Amen. Un membre de ma famille est mort. A member of my family died. Mon grand frère est venu me voir. My great brother come and see me. Il dit que nous t'attendons toi seulement. He said, are you just waiting you? Parler avec la famille, faire la cérémonie avant d'enterrer. To talk with the family and do the ceremonial before the burial. Je dis, mais j'aime dans la foi. I say, what well, say into the faith. Je dis, va enterrer votre mort. I say, go and bury your dead. Moi, je suis pas là dedans. I am not inside. Histoire de nous retrouver, de faire les cérémonies. Moi, je suis pas là. Things are gathering and do the ceremonial. I'm not there. Si tu ne viens pas, on n'enterre pas. If you do not come, we do not bury. Si vous n'enterrez pas, je ne viens pas. As if you don't bury, I won't come. Après, il est venu, mais vous savez. And after I say, you know. Les conséquences. The consequences. Mais tu vas avoir des problèmes. But you're going to have problems. La vie bloquée. The life will be blocked. Tu n'auras pas d'enfant. You won't have no son. Tu en as seul. I say, send me. Tu en as seul. You stay live alone. Vous ne savez pas celui qui est dedans. La prière est de celui qui est en vous. Il n'est plus grand que celui qui est dans le monde. It's greater. Lorsque Dieu parle du monde, il ne s'agit pas du cosmos, il s'agit des gens. Il va vous faire quoi? What is gonna do unto you? Mais frère Branham dit, but Brother Branham said, la raison pour laquelle il vous atteint, the reason why they wish you, c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Because first you do not know who you are. Deuxièmement, vous avez la peur. Secondly, you have the fear. Troisièmement, thirdly, vous ne vous attachez pas à la parole. You do not get bound to the si head. Vous avez un pied dedans, if you un pied dehors, if you're inside, on va vous shooter dans le pied qui est dehors. You're gonna be shot in the freak outside. Et il va vous ramener dehors. And it's gonna be brought outside. Deux pieds. What's it? Sur le roc. If the rock. Venez me trouver ici. Come and find me here. Tu deviendras un frère. You will become a brother. Amen. 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 Frère Branham dit, je vais vous lire ça et puis je termine. L'ange est dans le message. The angel is in the message.
et nous devons vivre maintenant la manifestation de l'ange. And we shall live the manifestation of the Son of Man. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen. I don't know if you can say amen. Le prophète Branham dit. The prophet Branham said. Paragraphe 61 de la brochure le temps de décision. Paragraph 61, booklet the time of decision. Et tout véritable serviteur de Dieu. And each true servant of God. Qui est envoyé? Who's been sent? À tout un livre plein de promesses divines. Got all the book with the divine promises. Qu'il peut offrir à l'épouse. That he can offer to the bride. Tout. Amen. Everything. Véritable. True. Serviteur de Dieu. Servant of God. Qui est envoyé. Who's been sent for. À tout un livre plein de promesses divines. Got a book full of the divine promises. Qu'il peut offrir à l'épouse. That he can offer to the bride. Je vous offre la protection. I'm offering you protection. Je vous offre la santé. I'm offering you the health. Je vous offre la guérison. I'm offering you the healing. Je vous offre le miracle. I'm offering you the word. Je vous offre la tête et non la queue. I'm offering the head, not the Je head. Vous offre l'élévation sans fin. I'm offering the blessing of God. Je vous offre la vie éternelle. I'm offering you the everlasting life. Je vous offre le mariage. I'm offering the wedding. Je vous offre le travail. I'm offering the job. Recevez le travail. Je suis très heureux. But the Brahm say I am so happy. Il a des temps là-dedans pour elle. And he had a time inside for her. Et il ne lui en refusera aucun. And he won't receive anything to it. Il remettra chacun d'eux loyalement. He will remit each of us royally. Un vrai serviteur, un serviteur modèle, un serviteur en qui Dieu peut avoir confiance. A true servant, a model servant to whom God can have a trust. Il n'essaiera pas de lui cacher cela. Will not try to hide it from him. Parce qu'il sait qu'elle est la future reine. Because he knows. Oh, she is the future queen. Oh, aucune bonne chose. Not no good thing. Ne refusez à ceux qui marchent correctement devant lui. Be refusing to those walking correctly in front of him. Aucune bonne chose. No good thing. Ne refusez. It's being refusing. À ceux qui marchent correctement devant lui. To those walking correctly in front of him. À ceux qui marchent comme ça, comme ça. To those walking this way, this way. Ceux qui marchent. Those walking. Correctement. Aucune bonne chose ne vous est refusée. No good thing being refused to you. Amen. Ah non, non, ça ne va pas. No, it's wrong. Nous voyons que l'église a beaucoup de problèmes. We see that the church got several problems. Il y a trop de problèmes à l'église. Too many trouble to the church. Il n'y a pas une église qui manque de problèmes. There is no church lacking problems. Je veux un amen. I want an amen. But the Balaam said, Dieu a promis à Israël Canaan. God promised unto Israel Canaan. C'est une grande promesse. It's a great promise. Mais dans le même Canaan, but within the same Canaan, Dieu a placé le Philistin. God put also the Philistine. Amen. Ils doivent combattre pour chasser les Philistins. They shall fight to cast away the Philistines. Afin de posséder le pays. In order to possess the land. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Le prophète Branham dit. The prophet Branham said. Jésus-Christ arrive dans la piscine de Bethsaida. Jesus Christ get into the pool of Bethsaida. Il trouve les estropiés. And found the paralytic. Il trouve les aveugles. And found the blind. Il trouve les sourds. And found the deaf. Il trouve les gens malades qui dorment par terre. Sick people sleeping on the floor. Frère Branham dit lui Jésus-Christ. But Abraham said him Jesus Christ. Le Dieu de la guérison. The God of healing. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God rich of mercy. Il est rentré là-bas, il a guéri qu'une seule personne. He entered there and healed only one person. Et il est parti. And he left. Mais ça a été une église qui avait aussi des problèmes. And that was also a church who had the troubles. Mais Jésus ne s'est occupé que d'une personne. But Jesus took care of only one person. C'est vous qui devez attirer l'attention de Jésus. It's you who should draw Jesus' attention. Afin que parmi la personne que Dieu va s'occuper de lui à l'église. So among the person God will take care of tomorrow in the church. Que ça soit toi. That is being you. Il pas d'amen. Don't you say amen? Vous voyez ça dans les dans la télévision. You see that on through the TV set. Mais puis stop.
libre de guérir qui il veut guérir. He is free of healing who he wants. Il est libre de donner la solution au problème de qui il veut donner solution. He is free giving solutions to the problem of who he wants. Il se peut que l'année passée c'était un frère. Maybe last year was a brother. À la fin de l'année c'est ton tour. At the end of the year will be your turn. Autrefois c'est quelqu'un d'autre. Otherwise it was someone else. Frère. Brother, une femme qu'on a coupée de trompes, a woman that they cut the trompes, les mêmes trompes coupées, the same cutting trompes, poussées, and already thrown away. Le docteur dit ça c'est un miracle. The doctor said that's a miracle. C'est la création. That's creation. Comment? Vous ne croyez pas ça? Parce le premier madame dit que à force que Dieu fait pour des miracles au milieu des gens. But the Bible said that God doing miracles in the midst of people. Lorsque les gens sont habitués avec le surnaturel. When people get used with the supernatural. Avec ce que Dieu fait. With what God is doing. Ça ne leur dit absolument rien. He says nothing anymore. Le prophète Branham dit que c'est la mauvaise position. The prophet Branham said it's a heavy position. Lorsque Dieu fait quelque chose. When God doing something. Le peuple doit se réjouir de ce que Dieu a fait. The people shall rejoice about what God has said. Le prophète dit que c'est un signe que le Seigneur vous montre qu'il est au milieu de vous. The prophet is saying that so that God is in midst of you. Si ça devient normal. If it becomes normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. There is something wrong. Trompe coupée. Cutting trompes. J'ai demandé au docteur J.P. Marie si c'est coupé, c'est coupé. I asked Dr. J.P. Tom if she's cut, it's cut. Mais la même trompe poussée. But the same trompe only through her. Ça, ça ne peut être que la création. That can only be creation. N'est-ce pas le même Dieu qui a créé les écureuils? Is it the same God who created the squirrel? Pourquoi l'église ne doit pas être dans la joie? Why the church cannot be in joy? Si c'est ça la magie pour aider les enfants de Dieu, je suis d'accord d'être initié à ça. If that's a magic to have the son of God, I'm happy to be in that. Amen. Dites amen. Don't you say amen? Cet ange du Seigneur dont j'ai parlé. That angel of the Lord who I'm talking about. Ne vous quittera pas. Will not leave you. Je termine ici. I'm closing here. Je voudrais vous lire quelque chose. And I would like to read something to you. Paragraphe 66, le temps de décision. Écoutez le prophète. Paragraph 66, the time of decision. Listen to the prophet. Frère dit. What the Branham said. Et c'était au temps du soir qu'il arriva au puits. And it was to the evening time that he came to the well. Près de la ville. Close to the city. Et c'était vers ce temps-là que Rebecca a dû prendre une décision. And it was about that same time that Rebecca took a decision. Et Frère Branham continue. And Brother Branham moved forward. Je crois que l'ange de l'Éternel l'avait précédé là. I believe that the angel of the Lord went ahead of him there. Environ une demi-heure. About half an hour. Avant. Before. En effet. In fact. Il enverra ses anges devant vous. He will send his angel in ahead of you. Alors il dégagera le chemin. Though he will move up the way. Et ça devait être l'ange de Dieu qui avait parlé au cœur de Rebecca. And it had to be the angel of the Lord who talked to Rebecca's heart. Disant à Rebecca, va puiser de l'eau. Telling to Rebecca, go and draw the et water. Et Rebecca est allée à l'eau de la vie au temps du soir. And Rebecca go to the water to the time of evening. Et Frère Branham dit. And Brother Branham said. Saisissez-vous l'image? Don't you see the image? C'est l'église dans les derniers jours. It's the church within the last days. Au temps du soir. To the end time. Les lumières du soir sont ici. The light of the evening are here. C'est le temps où l'ange de l'Éternel dans le surnaturel se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. It's the time when the supernatural angel revealed unto Rebecca, the bride of the end time. Et d'une façon ou d'une autre, and in a way or another, elle est poussée à aller aux puits. She's been pushed to go to the water. Amen. Amen. Oh, mon cœur tressaille de joie. Oh, my heart move from joy. C'est à peine si je peux prêcher quand it's je pense if à I can preach. Le temps du soir est arrivé. The evening time has come. L'ange du Seigneur. The angel of the Lord. Est dans le message. Is in the message. Il est où? Where is it at? Dans le message. In the message. Dès que vous avalez le message. As soon as you swallow the message. Vous avalez et le message et l'ange. You swallow
both the message and the angel. Lorsqu'il entre en vous, il devient le Saint-Esprit. When he enters in you, he becomes the Holy Ghost. Amen. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. Il se manifeste et fait la cour à Rebecca. He manifests himself and talking charm into Rebecca. Pour qu'elle vienne aux eaux de vie. So she become to the living water. L'action du naturel. The action of the supernatural. C'est ce qui se passe maintenant. That's what's happening now. Je ne sais pas si vous me suivez. I do not know if you follow. Je voulais lire quelque chose. I wanted to read something. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. Unfortunately, I cannot find it. Où le prophète Branham dit. Where the prophet Branham said. Que beaucoup de gens. That's many people. Sont animés par les esprits de famille. God ready with the family spirit. Il dit beaucoup de gens sont liés. Say many people got bound. Aux esprits de famille. To the family spirit. Et d'autres personnes sont liées par les esprits que eux-mêmes ont tissé les liens. Another person got bound by the spirit but themselves made bonds. La personne lui-même. The person itself. A tissé le lien. Make the bond. Avec un esprit de mari de lui. With the spirit of husband of night. Par la masturbation. Through masturbation. Ou soit par la pornographie. Either through pornography. Par les séries télévisées. Through series TV. Vous avez tissé un lien. You made a bond. Avec un esprit. With a spirit. Par le WhatsApp. Through WhatsApp. Amen. Vous avez tissé un lien avec un démon. You made a bond with a demon. Par livre pornographique. By the pornographic book. Et vous allez remarquer que vous ne pouvez plus vous dépasser de ça. And you're going to notice you cannot out your mind about it. Et l'esprit vous contrôle. And the spirit is controlling you. Amen. 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 C'est pourquoi. That's why. Je vais parler ça, je ne sais pas quel moment. I don't know when I'm going to talking about it. Les liens et comment les briser. The bound and how to break them. C'est pourquoi. That's why. Avant d'être délivré. Before being delivered. Il faut identifier les causes de vos liens. You should identify the cause of your bound first. Et tu dois nécessairement avoir un poussé à bout. And you should necessarily have a pushing to work. C'est-à-dire dans votre conscience, vous devez commencer à croire que je ne veux plus de ça. Means with your consciousness, start to believe I don't want it anymore. Il y a pas d'amen? Don't you say amen? Et troisièmement, tu dois identifier ton ennemi. And thirdly, you shall identify your enemy. Ce lien-là. That's bound. Quel est l'esprit qui est derrière? What is the spirit behind? Amen. Parce que vous ne pouvez pas vaincre si vous ne connaissez pas qui est derrière. Because you cannot overcome if you don't know who's behind. Parce que le pousser à bout dévoile ce que vous êtes réellement. Because the pushing said what you are really. Et cela manifeste les bonnes choses qui est en vous. And it manifests good things within you. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. Et le problème qui fait que les gens ne sont pas déliés ou bien délivrés. And the problem doing that people are not delivered or enticed. C'est parce qu'ils cachent leur péché. It's because they hide their sin. Et pourquoi ils cachent leur péché? And why do they hide their sin? C'est parce qu'ils aiment cette chose. Because they like the thing. Parce que si vous dévoilez ça, because if you reveal it, vous serez délivré. You're gonna be delivered. Comme je ne veux pas être délivré. As I do not want to be delivered. Je ne dénonce pas la chose. I'm not denouncing the thing. C'est pourquoi beaucoup de gens tels que vous êtes là. That's why many people the way you are now. Il y a des gens qui ont des choses vraies dans leur cœur. There are people with true things within their heart. Ils ne peuvent même pas dire au pasteur. Who cannot tell even to the pastor. D'autres sont tombés avant le mariage. Other fell before the wedding. On ne dit pas au pasteur. And do not tell to the pastor. D'autres ont enlevé les grossesses avant le mariage. Other removed the pregnancy before the wedding. On ne dit pas au pasteur. And will not tell the pastor. Ces choses vont vous rattraper. Those things are gonna catch up with you. Amen. C'est dur, mais c'est vrai. It's tough, but it's true. Vous ne voulez rien dire. You want to say nothing?
Branham dit. Brother Branham said. Ça c'est trop fort ça. That's too hard that. 161 Hébreux chapitre 7. Branham dit votre attitude à l'égard de Christ. Brother Branham said your attitude toward Christ. 1671 aura une influence sur ce que seraient vos enfants. We have an influence about what will be your children. Et dans la brochure la manifestation de l'esprit. And within the booklet, the manifestation of the spirit. Paragraphe 16, frère Branham dit. Paragraph 7, Brother Branham said. Il se peut que votre lien vous l'avez hérité cela. Maybe you have inherited your bond quelque part. Somewhere. Cela est causé. And it's been laid. Parfois directement some ou style, indirectement. Strictly or indirectly. Ça peut provenir d'un parent. It can come from a parent. Ça peut provenir d'un membre de famille. It can come from a family member. Et il dit dans la brochure l'expectative. Je vais revenir. Hein. And he said within the booklet, paragraph 39. Frère Manon dit, il y a beaucoup de choses que nous avons héritées par les liens héréditaires. But the problem said many things we inherited by the hereditary bonds ou des liens familiaux. Other family bonds. Par exemple, le célibat. Example, singleness. La stérilité même. Or barren even. Y a pas d'amen. Don't you say amen? Un enfant peut être buveur parce que son père était buveur. A child can be a drunkard because his father was one. Un enfant peut être fumeur parce que son père était fumeur. A child will be a smoker because his father was one. Il y a des présences de nicotine. There are presence of nicotine. Et cet esprit-là le pousse à fumer. And pushing him to smoke. Une jeune fille peut devenir prostituée parce que sa mère était prostituée. That a young daughter can become a prostitute because her mother was before her. Et une jeune fille peut être divorcée parce que sa maman était divorcée. And a young lady can be divorced because her mother was. Un frère peut devenir polygame parce que son père était polygame. A brother can become polygame because his father was one. Il y a pas la mère. Don't you say, man? Un frère peut devenir sorcier parce que son père était sorcier. A brother can become witchcraft because his father was one. Un frère peut aller de divorce en divorce, de divorce en divorce parce que son père était divorcé, sa mère était divorcée. A brother can go from divorce to divorce, divorce to divorce because his father and mother were before him. Ce sont les liens que nous héritons. Those are the bonds that we inherit. Il y a pas la mère. Don't you say, man? Il y a la possibilité. And we have the possibility. Briser ces liens. To break up the bounds. Et nous en parlerons prochainement, c'est très important. And we'll be talking next, it's very important. Mais n'oubliez pas le prophète dit. But do not forget the prophet said. Dès que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. The way you receive the baptism of the Holy Ghost. Dès que vous êtes réellement né de nouveau. As you are truly born again. Ces liens sont brisés. Those bonds are broken down. Et si ces liens persistent. And if those bonds persist, c'est que tu n'es pas arrivé au baptême. Means you haven't reached till the baptism of the Holy Ghost. C'est que tu n'es pas arrivé à la nouvelle naissance. Means you haven't reached the new birth. Comment je suis né africain comme vous? As I was born African like you. Et chaque famille a des esprits. And his family got spirits. Pourquoi les esprits de ma famille? Why my family spirits? Ne peut pas avoir le dessus sur moi. Cannot have the power over me. Et pourtant, nous croyons le même message. Though we all believe unto the same message. Le problème de la nouvelle naissance. The problem is the new birth. C'est le problème du baptême du Saint-Esprit. It's the problem of the baptism of the Holy Ghost. Je veux que ces choses vous révolutionnent. I want those things to revolutionize you. Nous parlons de la foi parfaite. We'll talk about the perfect faith. Vous devez connaître qui vous êtes. You should know who you are. Vous devez connaître ce que vous devez faire. You should know what you should do. Et quels sont les hauteurs que vous devez atteindre. And what are the heights that you should reach. Et que vous comprendrez ça. And how soon as you will understand. Alors vous serez un super homme. You will be a superman. C'est le retour au commencement. So will be a new beginning. Super homme. A superman. Super femme. A superwoman. Frère Branham dit. But the Branham said. Ce que Adam faisait. That's what Abraham was doing. Eve le faisait. Eve was doing so. Eve pouvait dire toi vent, tais-toi. She could say you one shut up. Le vent se calmait. And the one calmed itself. Parce que l'autorité de l'homme. Cause one of men. Était dans la femme. Was within the man. Et Adam c'est Christ. And Eden is Christ. Eve c'est vous. If it's you. Ce que Jésus a fait. What Jesus has done. Vous le ferez. You will do it. Et ceci est au-dessus de tout don spirituel. And this is above all spiritual gifts. Dès que vous comprenez ça. As soon as you can understand. Dès que vous revenez à cette position, je vous révèle. As soon as you come back to the position, I'm telling you. Même ton avenir. Even your future. Il sera révélé. You will be revealed to you. Lorsqu'il y a un plan. God, there is a plan. Machiavélique. A machiavellic one. Se passe sous
là que tu ne connais pas. Happening in the world that you don't know. Dieu te le révèle. God will reveal you. Et Dieu peut te révéler l'état d'homme de l'homme avec qui vous vivez. And he can say the type of Dieu peut vous révéler l'état d'âme de la femme avec qui vous vivez. He can reveal the state of soul the woman you're living with. Donc, dans cet enseignement, je veux faire de vous simplement un homme supérieur. With the teaching, I want to make of you a superior man. Est-ce que vous avez aimé la parole? Have you liked the word? Elle s'asseye en vous. Let it sit down unto you. Et que cette parole manifeste en vous. And let the world manifest unto you. Ce que vous devrez être. What you should be. Vous devez savoir qui vous êtes. You should know who you are. Pas un chrétien qui est venu faire un petit tour dans le message. Not a Christian who wants to do a small turn in the message. Je veux vous lire Frère Branham. I want to read what the Branham for you. Vous êtes venu dans le message pour vaincre. You come to the message to overcome. Et vous êtes venu dans le message pour dominer, pour régner. And you come to the message to dominate, to rule over. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Encore une acclamation très fort. Put a hand your head together. Abaissez vos têtes. Levez votre main si vous le voulez bien. Et dites quelque chose au maître. Là j'ai pris ça qui est les amis. Seigneur, bénis chaque personne ici présente, Seigneur. Bénis ma sœur qui est.
soir. Bénis mon frère qui est béni ce soir, c'est le Jésus. Et nous croyons que nous ne sortirons pas comme nous sommes rentrés, Seigneur. Nous avons reçu quelque chose de ta part ce soir. Et laisse que cette parole apporte la vie, Seigneur. Laisse que cette parole apporte la guérison, c'est le Jésus. Laisse que cette parole apporte la délivrance de nos âmes. Laisse que cette parole, oh Dieu, puisse nous faire placer en haut, c'est le Jésus. Afin que nous puissions être au-dessus de nos ennemis, c'est le Jésus. Et de tout le reste qui peut possible nous combattre, Seigneur. Nous sommes arrivés au temps de la fin, Seigneur Jésus. Nous croyons que notre Dieu, le message que tu as porté, Seigneur, c'est un histoire. Nous garderons jusqu'au jour du départ, Seigneur Jésus. Maintenant, bénis notre chien, bénis tout notre Dieu. Que le même ange qui a béni notre arrivée, il puisse bénir notre retour. Il puisse être avec nous. Dans chaque fois que nous allons prêter, dans chaque véhicule que nous allons monter, que cet ange puisse nous précéder, c'est le Jésus, afin de pouvoir détruire toute influence de Satan. N'oublie pas ton humble serviteur qui a pu parler de ta part, Seigneur Jésus. Puisse le bénir, oh Dieu, afin qu'il soit toujours en plein feu, afin qu'il soit toujours rempli, Seigneur Jésus, pour pouvoir porter le réveil dans nos âmes, Seigneur. Puisse guérir ceux qui sont malades. Nous prions pour la sœur Moutaba, Seigneur Jésus, qui a voulu la requête pour son fils, Seigneur, pour son frère qui a fait l'accident, notre Dieu. Nous voulons que tu puisses éteindre sa mère, Seigneur Jésus, afin de rétablir ce messieurs qu'elle a le commande, pour que la joie de ta servante puisse être parfaite. Nous croyons que tu es le grand médecin et tu accompliras l'impossible, Seigneur. Nous remettons notre retour à cette main. La bénissant la réunion de dimanche, ainsi que le vendredi, notre Dieu, et que ce même ange qui nous a conduit, Seigneur, qu'il puisse nous assister dans les jours à venir. Sois béni, sois élevé. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et ça, les lignes de nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen.